Good morgen, allez, idem le titre aujourd'hui, le Lénishmat, Mourib, Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shlomo, Nissim, Ben Sarah, Rosat, Zohara, Bat Sultana, ainsi que leur fois, Sarah, Bat Betir, Rivka, et Rafael, Zvoulun, Ben Chaya, Malia. Petor, Shachol, Israël, si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Menachot, Perek, Yud Gimel, Mishnah Vav, Are Alay Ola, Yadi Keves, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Omer, O Tor, O Ben Yona. Perashti min habakar ve'eni yodea ma perashti yavipar va'egel. Min habehema ve'eni yodea ma perashti yavipar ve'egel ail gdi ve'tale. Ou il y en a qui disent qu'il faut dire par ve'egel ail ve'sair gdi ve'tale. Perashti ve'eni yodea ma perashti mosif aleem tor ou ben yona. On continue le sujet qu'on développe maintenant depuis plusieurs mishnayot en arrière. Lorsque l'on fait un vœu d'apporter quelque chose, qu'est-ce que notre vœu inclut au minimum? D'accord? On a vu le cas, si je dis que je vais donner de l'argent, combien? Quelle est la barre minimale d'argent que je dois apporter pour accomplir mon devoir? Si je fais un don de vin au Beth Amikdash, quelle quantité de vin? Et bien maintenant, on commence avec celui qui va dire « Are alai ola ». Je fais un don d'apporter un korban ola. Alors là, ola, juste... C'est la première paracha des korbanot qu'on a dans le livre de Vaïkra. Elle doit toujours venir des mâles masculins, jamais des nekevot. Ça arrive une fois dans l'histoire, une histoire très jolie et particulière qui s'est passée à l'époque de David Améler, qu'on ne va pas raconter tout de suite, où on a porté des holot nekevot, mais en général, toutes les holot sont toujours tamim zimina zachar, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, on a l'avantage avec la hola qu'on peut la porter soit de la famille des vaches, donc les taureaux, adultes ou enfants. Bien évidemment, parce qu'il y a des corbanotes, parce qu'on insiste à porter des adultes ou des enfants, là, adultes ou nourrissons encore, enfin, ou jeunes depuis dans la première année. Donc, ce qu'on appelle pas bakar et egel. À part ça, on a dans la famille des ovins, ça c'est les bovins, les ovins, le menu bétail, on a donc deux familles, soit les moutons, soit les chèvres. Donc, ça va nous faire encore de nouveau quatre. C'est-à-dire soit le bélier ou le bouc, ou bien quand c'est les enfants, d'accord? Les enfants, j'ai écrit les noms tout à l'heure, comme ça, quand on va arriver dans la Mishnah, je ne vais plus m'embrouiller. Je le dis tout de suite, il y a les chevreaux et les agneaux, d'accord? À part ça, on peut aussi apporter des tors ou ben yona. Tors, c'est des tourterelles. Donc là, quand on parle des volailles, par contre, on ne fait plus de différence entre les mâles ou les femelles, la Torah ne fait aucune différence. On ne s'engage pas à l'un plus qu'à l'autre. Donc, tor ou ben yona, on est juste deux espèces, soit les tourterelles, soit les pigeons. Les pigeons, il faut que ce soit dans la première année, les tourterelles, il faut que ce soit spécifiquement après la première année, dans la deuxième année. D'accord? Donc ça nous fait, on a vu maintenant toute la série des corbanotes de hola. Maintenant, lorsque quelqu'un a fait un don d'apporter une hola, qu'est-ce qu'il doit apporter? Qu'est-ce qu'on va lui imposer d'apporter? Un taureau? Un mouton, un bélier, un agneau, un pigeon. Alors, la Mishnah m'enseigne comme ça. Une marloquette. Selon Tanakama, Yavi Keves, il devra apporter un mouton. Vous allez me dire, c'est marrant, c'est ni l'extrême haute, ni l'extrême basse. C'est le milieu. C'est vrai, mais pas exactement. Parce qu'en fait, c'est le Keves, c'est le mouton, c'est le plus petit, c'est le minimum des animaux. Des mammifères, et pas des volailles. D'accord? Tandis que Rabbi Lazar ben Azaria Omer, selon Rabbi Lazar ben Azaria, autor ou ben yonan, non, t'as fait le don d'apporter une hola, tu t'acquitteras même de ce devoir en apportant une volaille, un tor ou un ben yonan, un pigeon. Quelle est la marloquette? En réalité, le Bartendan explique qu'il n'y a pas de marloquette fondamentale entre eux. C'est qu'une question, comment dans leur ville, On appelait, qu'est-ce qu'on incluait quand on parlait du mot hola? Dans la ville de Tanakama, lorsqu'on disait hola, on parlait forcément d'un bovin, ovin, mais sûrement pas d'une volaille, sinon on ajouterait le qualificatif de dire hola ta'of, une hola de volaille. Tandis que chez Rabbi Elazar ben Azaria, on appelait même aussi un oiseau, une volaille, on pouvait l'appeler aussi que c'était ça hola, on ne précisait pas le mot hola ta'of. Donc selon la terminologie, alors on va définir que maintenant, ce que tu as exprimé, c'est que tu veux cette chose-là, que l'on appelle de la sorte. Ensuite, Perashti, Minabakar, Ben Yoda, Perashti.
J'ai explicité que j'allais apporter une hola. J'allais dire, j'avais dit que ça allait être du bakar, donc un bovin, du gros bétail. Mais je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Donc en fait, on a une famille, bien sûr, les taureaux, mais avec deux options. Soit le par, soit le egel. Soit le par, c'est le taureau, donc en l'occurrence, lorsqu'il est adulte, ou soit le egel, le veau. D'accord ? Le veau, c'est le petit de la vache. Donc soit, quand il est encore dans sa première année, il est tout jeune encore. Alors on a les deux options. Mais, je ne pourrais pas me contenter d'apporter juste un taureau adulte, en disant qu'au pire, l'adulte inclut aussi le veau. Ça, le partenaire nous précise, en fait, ça dépend d'une marloquette. Qu'on a déjà vu un petit peu partiellement, on l'a évoqué plus haut, mais qu'on verra longuement lorsqu'on arrivera dans le Mishnah Chet, une marloquette, lorsque dans une même famille, on a la possibilité d'apporter le petit ou l'adulte. Est-ce que si j'apporte un adulte, l'adulte, j'inclus aussi le petit, ou non, est-ce qu'on va dire qu'il y a, que c'est devenu deux espèces différentes? On avait vu ça à propos des Menachot, en fait. On avait vu Rabbi dans la même idée. Lorsque j'avais dit que j'allais apporter 25 Issaron, est-ce que je peux même, si j'apporte au pire 60, est-ce que j'inclus dans les 60, 25, ou est-ce que nécessairement il fallait faire toute la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait vu le même principe. C'est de nouveau, comment c'est cette expression qui est dit dans la Gemara, hein? Bon, on verra. Mitnadev Katan, est-ce que peut apporter un Gadol? Est-ce que j'ai fait le don d'apporter un petit agneau? Est-ce que je m'acquitte en apportant finalement un grand mouton? Un mouton adulte. Donc selon le même principe, de nouveau, j'ai fait le vœu que j'allais rapporter d'un minabakar, donc d'un bovin. Veniodama Perachim, mais je ne sais plus lequel, l'adulte ou l'enfant. Donc dans ce cas-là, ils ont rapporté les deux. Par et Egel, un taureau et un veau. Et l'alakha n'est pas établie comme cette Mishnah. Puisqu'on va voir qu'en réalité c'est une discussion, on sera pressé que l'alakha comme Tanakama, que si tu apportes le grand, tu t'acquittes aussi de l'éventualité de l'adulte, du petit. D'accord? Ensuite, Mina Behema, Veniodama Perachim. Je me souviens que je n'ai pas fait un don d'un bovin. J'ai fait un don que j'allais apporter même d'une espèce mammifère. Donc j'ai trois possibilités, trois familles, et toujours selon d'après Rabbi, ça va nous faire à chaque fois six. C'est-à-dire on a trois familles, les vaches, la famille des taureaux, la famille des chèvres, et la famille des moutons, ces deux espèces. Et à chaque fois on va devoir les apporter, puisque j'ai explicité, alors soit le petit, soit l'adulte. Donc on va se retrouver avec six corbanotes. Yavi par va egel, Aïl, Vesaïr, Gedi, Vetale. Par Vegel, ça inclut un taureau et le veau. Ça, c'est pour les bovins. Pour les ovins, il y a soit Aïl et Saïr. Aïl, c'est le bélier. Saïr, c'est le bouc. D'accord, la chèvre adulte, mâle. Et les petits de chacun, qui sont le Gedi et le Talé. Gedi, c'est le chevreau, le petit de la chèvre. Étalé, c'est le petit agneau, le petit du mouton. D'accord? Et comme c'est comme ça, moi j'ai dans ma Mishnah, j'ai sur le côté de ma Mishnah, d'autres versions de la Mishnah où on inclut les six. Si vous lisez le Barthénois, vous allez voir qu'en fait le Barthénois aussi tenait qu'il y avait six termes dans la Mishnah. Il y a toutefois, le Tosfos Yom Tov soulève qu'il y a une autre formulation de la Mishnah qui nous dit par ve'egel aïl gdi ve'talé. Et que le mot talé, en fait, il inclut l'éventualité des petits. Du Aïl et le Gdi, et le Gdi c'est devenu en fait un vieux, une chèvre adulte, et le Tosfot se lève des problèmes sur ça. Nous, de notre côté, on continue. Perashti, Veniodama Perashti. Maintenant, jusqu'à maintenant, donc, il devait apporter ces six espèces, parce qu'il se souvient qu'il a promis qu'il allait apporter un mammifère. Pain Olataof. D'accord? Maintenant, s'il nous dit Perashti, parce qu'il se souvient j'avais dit que j'allais faire un corban d'un animal, on comprend à quatre pattes. Mais là, ce qui se passe maintenant, en Perashti, Veniodama Perashti, si toutefois il nous dit, j'ai explicité que j'allais apporter une espèce, mais je ne me souviens plus du tout ce que j'ai parlé, des volailles, des bovins, des ovins, aucune idée, eh bien, tu reprends les six, là, qu'il y avait avant, tu devras même aussi, Mosifalentor ou Benyona, tu devras aussi ajouter dessus une tourterelle, ou bien un petit pigeon, et aussi un petit pigeon. Donc tu vas débarquer au Beth Amikdash avec huit animaux dans les mains, selon Rabbi. Selon Chachamim, il n'y aura pas 8. Il n'y aura que 5. Parce que les 3, on va pas faire de différence, on va dire d'apporter un adulte, un taureau adulte, un bouc adulte et un bélier adulte.
et tu t'acquittes même de l'éventualité du petit. Tandis que par contre pour le tort ou ben yona, là tu devras les apporter, ça va faire ces deux espèces différentes. Donc tu devras aussi les apporter, ça va faire 5 espèces au lieu de 8, ce que, selon Tanakama, puisque ça va selon Rabbi, comme ce qu'on a expliqué. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine, la slacha kol tov, salam.